Mesdames et messieurs, TV Lakayhaiti.com, encore une fois, nous comptons rentrer la caille, nous comptons rejoindre dans une nouvelle vidéo qui nous porte pour vous. Nous rentrons direct, sans parler trop. Rosemont-Jean sorti dans silence li et monsieur Bayon li 5 noms. Nèg qui dans conseil présidentiel là qui c'est famille Lavalasse et nèg ça yo, c'est nèg qui prend sanction déjà dans corruption et puis jodi c'est yo même qui soi-disant président dans conseil présidentiel là je ne jodi mesdames et messieurs. Louko Désir, eh ben monsieur parler sous vidéo cap circuler côté Lanmò San Jou, tape Simaï Lajon mesdames et messieurs, bay yon équipe timoun, yon paquet timoun nou ta cap di 10 ans et 12 ans, 8 ans, 9 ans, et puis bah toujours même que nous pas même fin et fin sûr et de l'âge yo, ben l'on regarder sur équipe timoun côté Lanmò San Jou a Simaï et ben gros mago l'argent bay timoun sao et ben le codezi là qui font et donc en dernier sorti sous mouvement ça et ben si gars reconnu mesdames et messieurs monsieur pas prendre responsabilité si monsieur pas lever camper pour question insécurité ça question gang nèg exam ça fini dans le pays, eh bien d'ici 2025-26, mesdames et messieurs, majorité timoun nou gen qui nan quartier populaire qui nan ghetto yo, en pile là-dedans pas pral l'école et en pile là-dedans yo, les yo grandi yo joine gang la pour fou gros l'argent comme ça, eh bien pour eux même l'école pas important encore parce que yo gen tan joine un système qui là, eh bien k'ap ba gros l'argent. Eh bien le codezi monsieur parler sur dossier ça que nous pral faut tande. Dans la vidéo, ça, Guy Philippe, toujours dire qui te parlé, eh bien, monsieur fait gros déclaration choc, et nous allons inviter autant de là. Et j'aime monsieur parler, mesdames et messieurs, pas de route, pas bois, j'aime monsieur parler, pas de fait bac, qui donc c'est des choucages liés, car il connaît, eh bien, monsieur a pouvoir quand même, quel que soit Jean Saï, Guy Philippe, monsieur Sémenté, la prend pouvoir, et l'elle prend pouvoir, la délivrer peuple haïtien, en bas, mais États-Unis, Canada, et la France. Pour plus de détails, on écoute. Bonne écoute, on a tourné. Vidéo côté que justement, et chef gang est basé, en fait, chef gang est groupe 400 Marozo et Lanmò San Jou, ok, cap distribué enveloppe de 25 000 goudes à des enfants, des timoun, ok, pour question l'école. Il y a deux bagages pour nous comprendre dans ce qui a passé là. Il y a deux bagages pour nous comprendre dans ce qui a passé là. Hier matin, et de présenter à PIA quitte valise que le gouvernement baille. Valise à Pavot, Babano Mati, green valise là, un deal t'a coûté $1 américain, donc en Chine, que le pas coûté, ok? Parce que son valise de mauvaise qualité, qui pas même qu'à faire peut-être un mois, ok? Un deal t'a coûté $1 américain. Qui gagne là-dedans, madame, monsieur? 10 ticailles. Il y a 10 ticailles, il y a combien nous t'en mettons sur lui? Non, mets ton prix comme ça. Ok. 10 ticailles, il y a maintenant tout. 10 ticailles. Ce n'est pas de bonne qualité. Non, qui n'est pas de bonne qualité. 10 ticailles, on mettait 10 ticailles, donc encore pour $1.50. D'abord $2.50, pas vrai? Avec 2 plumes au crayon, fait combien? 2 plumes au crayon avec un règle. $1.50 encore. $1.50, ça fait. $3 plus. $4.50. Avec $4.50. Yeah. Mais ce $4.50 par 134 en allure. Attendez bien, madame, monsieur. Là, nous ça qui a passé à la sous réseaux sociaux, vidéo que, en fait, que nous, ouais, qui virale. 603. Combien? 603. $603 haïtiens. Non, good. 603 good. Oui, yeah, 3 good. Nous mêlons. Ah ouais, 603 gouttes. 603 gouttes. Ah, on dit d'où là, ouais, où est le fou? Nous mangeons lui, mon frère. Oui. Parce que mon cas là, c'est là, il achète en quantité. Oui. Et puis. Égoïste lié. Égoïste lié. Oui. Comprenez bien, madame, monsieur. Donc, quitte le gouvernement Barre là. 603 gouttes. 603 gouttes. 600. Tellement. Valise ça ou à parler à valise ou à parler à c'est enchaîné sorti enchaîné mais selon probabilité que vous fait vous estimez que il est capable de goûter 603 gouttes. Ok, on met 1000 gouttes, on met 1000 gouttes. Un bon Jean Créola, 120 bon $120.60 haïtien. $120.60, ça dit $120 3 piastres. Mes amis. Bon, on mettait le 2000 gouttes, ben voilà. Nous mettons le 2000 gouttes flat. Non, 1000 gouttes pour mettre. Non, mettez le 2000, mettez le 2000. Calculez-vous, frère, pas arriver 1000 gouttes. Pas de frère avion, douane, baron, ça, donc mettez le 2000 gouttes. Non, il y a franchise. L'État, et ça me l'a dit, est-ce que... Alors, mon cap vend l'État, il n'a pas de franchise. Comprenez bien, madame, monsieur, parce que là, on a une émission, on a une émission matin débat. C'est contrat, c'est contrat, mon qui a un contrat. Et hier matin, débat, c'était nous quitte. C'est ça que le gouvernement a payé à Timounio. Et c'est ça que le pral dit avec les policiers, tout le monde qui a besoin, qui est là dans 10 petits cahiers, ok, 2 graines plumes, 2 graines crayons avec un règle. Il y a foutu dans la prison pour bailler ça, encore. C'est pas la Chine. Ou rappelez au bail et Masla. Ou foutu pour prison dans bail ça. Dans les prisons pour qui ça là? Est-ce que c'est mentir? Il y a un gros intérêt dans bail ça. Non, mais intérêt qui ça? Intérêt pays, donc ça baille pas yo. Ok, mais qui ça? Mais pas de mentir. Est-ce que c'est mentir ma baille moi-même? Des bons nègres viennent là. De mon nèg vinn là ou une porte mandat venir, ou prend pile coup. Non, est madame. Ton est boule mon sang. Ouais, comité qu'on entrer dans la croix là. T'allez mon frère, t'allez mon frère. C'est pas jamais va encore là. T'allez mon frère. Nèg prend pile coup louko. T'allez mon frère, t'allez mon frère. Ça donne mauvais louko. T'allez mon frère, t'allez mon frère. Louko. T'allez mon frère. Ouais, depuis combien de temps quitter remettre toute bagaille la police va ça. Je le regarde là-bas. M'gal laisse à moi. M'gonne. T'allez mon frère, t'allez mon frère. T'allez mon frère. Est-ce que c'est menti ma baille? Petit sac que je me présenté hier avec 10 ticailles. Il va sortir en Chine, mon cher. Ah, il y a matin là. Non, d'autres, il a un contrat ça. Il va faire en Chine. Il vient en Chine, il vient pas bateau. Avion. Avion, bateau, avion. Avion, cargo. Il va mourir à PN annoncer. Et on l'ouvre. Ok. Nous avons dit, madame, monsieur. Attendez bien, oui. Ok. Bon, même si, en fait, ça, on a parlé à là. 10 ticailles, des crayons, des plumes avec un règle là. Avec petit sac là, on a coûté 5000 gouttes. Même s'il a coûté ça. On a l'orgon chef gang qui campait, qui mettait Timoun en ligne. 50 Timoun. 50 Timoun pour 250 000 dollars, qui bat chaque Timoun 25 000 goudes. Et de à charger Timoun encore? Ah. Ça y est, une sélection faite. Et de à charger Timoun encore. Ah, Timoun. Quand il va pour nous comprendre ça? Prépare pour nous comprendre ça que moi-même, je pense que, et m'a regardé des vidéos, le mensonge ou pas de gagner à filmer Timoun. Parce que moi, ONG au film, et ça qui va investir, pas bon. Bon, ONG au film, moi, je suis un Timoun, qui a barré figure. Je connais que ça fait là. C'est une nécessité qui fait apprendre. Il y a barré figure, parce que je ne veux pas que figure barré, tu as là. Ok? Deuxième maille pour nous comprendre ça. Il y a 50 Timoun qui reçoivent l'enveloppe, il n'y a pas 4 Timoun qui dehors, qui prennent l'argent dans mes guillemets, dans mon chef gang. Des matons t'a dit Timoun ça il pas dans la gang. Non, Timoun ça automatique ça est automatique. Des matons se choisi prend route gang là. Qu'est-ce qu'a fait? Pas aucun je pour tirer dans tête pour dire que gang pas bon non. Pas aucun je pour tirer dans tête pour dire que route gang là c'est pas bon route là, ou pas utile parce que depuis le petit la vive de gang, OK? La prend l'argent gang, la vive à partir de l'argent gang là. Ouais donc l'État, madame monsieur. C'est ce danger ça que nous-mêmes nous avons débat. Nous avons essayé de caler pour nous montrer que le pays, ça, Haïti, nous avons un problème là, nous avons un plus gros problème dans 10 ans. Il n'y a pas même temps, on va les 10 ans, nous ne pouvons pas prendre tout le temps ça. Monsieur, nous avons un plus gros problème dans 10 ans, madame, monsieur. Vous connaissez la première perception de Timoun, ça, pas de capacité pour le réfléchir. Alors, vous connaissez la première perception là, bien de gang, de pour dans gang, ou bien l'argent, ou bien cob, ou bien cob. Et oublier ou nos pays et garder la timion. Si monde qui dans pays évolué, il y a un contact avec télévision, il a regardé programme pour timoun. OK? Timoun qui pratiquement en Haïti peut-être qui dans famille aisée, peut-être pas connaît qui dans parents qui capable plus ou moins, il y a une petite tablette. OK? Une tablette. Une petite tablette, il a regardé des petits comiques, il a regardé des bagailles qui instructifs qui gardent pas avec l'âge. Oui. Ou pas Timoun ça, qui par exemple regarde la télévision, qui par contre sac Timoun, qui par contre aucun programme Timoun. Greenball a regardé ça fait gang. Il a peut-être joué nos téléphones intelligents. Et puis, il a regardé image gang. Il finit remet chef de gang là. Ça c'est le syndrome, là. Ça devrait moi. Le syndrome de Stockholm. Elle dit ou vivre avec moun nan, même si la formale est pour aimer. Même si ou vivre avec moun nan, même si la formale est pour aimer. Et tu que apprendre à aimer, ok, on mal. Et Et puis l'État a cherché. OK? La police a cherché. 400 Maroso. La police a cherché Lanmò San Jou. Elle montre nous là que l'existait. Dernièrement, dans le festival, l'IFE festival, 3-4 000 des milliers de monde. Des milliers de monde. 3-4 000 monde devant nous. OK? Et puis la police a cherché Lanmò San Jou. Et puis les États-Unis mettaient $1 million sous tête Lanmò San Jou. Mais 2 millions, ils mettaient 2 millions sous tête. Vite l'homme. Vite l'homme. Et hier, vite l'homme a fait vidéo, côté lui-même du arrière, il campait mine, il campait raid. Tout pour l'ambassade américaine. Nous, nos sociétés là, c'est tout pour l'ambassade américaine. Et même ces Américains qui parlent à quoi? C'est une coopération. Et ils ont tué en vingtaine de vagabonds. Ils ont tué des toiles. En vingtaine, par contre, c'est 15 ans, par exemple. Et l'ambassade américaine, tout près là. Et les Américains mettaient veto pour nous pas acheter des armes. Ils mettaient veto pour nous pas de matériel, pour nous pas de l'armée. Ils ont fait communion avec Aristide. Je dis à la. Et c'est l'armée, ça gagne là, c'est l'armée qui a résolu. Vous écoutez Matin Débat. En tout cas. On doit de l'homme dans le bout de nous. Nous, on doit de l'homme dans le bout de nous. Vous retournez, cap monter Washington, monsieur dame Sao, cap monter Washington, elle fait complot, elle fait contre pays. Elle fait ça. Merci. Merci. Matin, raison que fait moi là. Et moi-même, en tant que coordonnateur FONODE, qui est Fonds national, les organisations de résistance pour Haïti stable démocratique, et moi, je viens là pour nous dire que le pays a une nécessité pour que chaque citoyen prenne responsabilité. Et dans la responsabilité, ça, je rappelle. Ils ont arrêté l'État haïtien, la police a arrêté Guy Philippe. Ils ont accusé Guy Philippe de drogue dealer. Rappelons ça. Jusqu'à ce qu'ils ont empêché Guy Philippe de rentrer dans le Sénat sans que par aucune institution en de pays ait produit un rapport pour dire mes indices, mes preuves que vous gagnez, vous avez Guy Philippe dans la drogue. Et de ce fait, ils ont arrêté Guy Philippe, ils ont extradé Guy Philippe aux États-Unis. Maintenant, là, très bref. Nous n'avons pas le temps. Nous n'avons pas le temps. Parole à parler, c'est 17 octobre. Mais ça important pour montrer au document ça. OK. Document ça, c'est réquisitoire. Réquisitoire déformé. Commissaire gouvernement, voyez dans le cabinet de destruction, contre Leslie Voltaire. Qui compris Jean-Bertrand Aristide. Ça, dis là. Ça, c'est réquisitoire déformé. Hein? Là, on a parlé de qui année? On a parlé de l'année 2014. 2014. Qui commissaire gouvernement? Commissaire gouvernement, c'est Aristida Sogis. OK, Aristida Sogis. Mais il y a 3 commissaires gouvernement qui travaillent sous dossier ça. OK. Le premier commissaire gouvernement qui travaille sous dossier ça, c'était Sonel Jean-François. Jean-François, qui était, en époque, qui était directeur ILCC. ILCC. C'est unité centrale de lutte de renseignement financier. Non, UCREF. UCREF. À ce rapport, UCREF, ILCC, BAF. Il y a 3 institutions importantes en de pays qui produisent rapport ça. Et les 3 commissaires, premier commissaire gouvernement, les proches Lavalasse, ils déposent le dossier. Ou Vingé Manès, lui. Ancien député Lavalasse, qui était substitut commissaire, il ouvre le dossier, il dit ça, puisque rapport avec Lavalasse, il fout le dossier en battable. Malchance pour monsieur, il y a Aristida Sogis qui monte comme commissaire gouvernement. C'est lui-même qui prend le dossier, il travaille le dossier, il voyait le dossier dans le cabinet d'instruction. Juge d'instruction, premier juge d'instruction qui tendait le dossier, garder le dossier, c'était M. Benasséville. À l'époque, monsieur était doyen et était juge d'instruction. Alors, ça dossier. Ça dossier. Eh bien, dossier, son dossier, est inacceptable. Pour Jodia, pour 2 personnes qui ont poursuivi pour trafic illicite, blanchiment des avoirs, drogue, vol, association de malfaiteurs, Jodia, pour tout le monde assister. On parle, laissez Voltaire avec qui? Mais non, Voltaire dans réquisitoire. Avec qui est? OK. Mais non. Jean-Bertrand Aristide, l'ex-président de la République. Junette Seyant, affecté au secrétariat privé de la présidence. Oriel Jean, responsable de la sécurité du président. Baptel miville, affecté à la sécurité du Palais national. Patrick Titellien, affecté à la sécurité du Palais national. Saint-Jean, affecté à la sécurité du Palais national. Franz Gabriel, affecté à l'administration du Palais national. Jean-Esprit Lucien, affecté à la sécurité du Palais national. Ou Guéye Jacques Debrosse, affecté à l'administration du Palais national. Ou Guy Denis Fritz Denis, affecté à l'administration du Palais national. Ou qu'on n'a eu un pile. Leslie Voltaire, ancien architecte, Paul Voltaire, les deux frères, tous des messieurs ça yo. Commissaire gouvernement mandé cabinet d'instruction pour poursuivre messieurs ça yo. 16 individus. Ces individus sont visés par le réquisitoire d'informer du tribunal de première instance de Port-au-Prince pour blanchiment, trafic illicite, de la drogue, d'autres infractions, forfaiture, concussion, déni des lieux publics. Qui en est? Encore. Juge de 2014. 2014, eh bien. 2014. Dernier juge d'instruction qui travaille sous dossier, qui te commencé travail dossier, qui mettait mandat d'amener contre Fritz Jean avec interdiction de départ pour vol, détournement de fonds publics. Fritz Jean, pour vol, détournement de fonds publics. Nous ne pas les garder, messieurs, nous avons couru d'un petit appli qui moins dangereux. Où est-il l'appli? ISO, Lanmò San Jou, nous connaissons voler, nous ne pouvons pas le côté. Mais nous prenons qu'on y a dans le temps de Palais national, puis on a accès à l'État, qu'on y a là, puis on a marché tout le monde, volé les gens, et puis, nous avons tous les 5 noms dans le conseil présidentiel là, qui c'est 5 Lavalasse, qui impliqué, qui est poursuite pénale contre eux, qui est dans le cabinet d'instruction, Leslie Voltaire, pour drogue, blanchiment, illicite, concussion, forfaiture, pour Leslie Voltaire, Fritz Jean, pour vol, détournement de fonds publics, association de malfaiteurs, et Géraldine, Gérald Gilles, pour vol, détournement de fonds publics, association de malfaiteurs, ça veut dire, c'est des mounios, d'une mette sous 3 boîtes ça qui viennent bailler 7 mounes qui en dedans, conseil présidentiel là, côté, la justice t'a dû attendre pendant ma parole avec vous là, pour vol, pour samedi là. De ce fait, nous-mêmes, nous connaissons. Lavalasse. Oui, c'est 5 minutes. Je finis, je même pas tout le temps ça. Ok, on a lu. Document ça, c'est l'ensemble de la classe politique en 2002. Ok. 2002. Ok. Qui signe la résolution du 31 décembre, qui l'ensemble des partis politiques, la société civile, les partis de l'opposition, Convergence, partis alignés, etc. Ils ont signé, puis ils ont dit Lavalasse. C'est une organisation criminelle, malfaiteur. Il faut que nous prenions toute disposition pour ne pas tourner au pouvoir. Ça veut dire qui ça? Je dis, 17 octobre, nous venons inviter tout militant, tout combattant, tout format de garçon. Je dis, je ne vais pas venir parler de ces domaines. Parce que si nous nous déplaçons à l'envahir ces domaines, c'est parce que c'est mode de monde, de l'idée de dirigeants que nous choisissons, bon cathédrale, bon tour et goût, nous mettons chef, qui permettent aujourd'hui à nous ça comme résultat et des résultats qu'on a nous voulons que le pays voisin pour là. Nous-mêmes, ça nous dénoncer. Nous avons dénoncé. Ça, c'est arabe là. Oui. Arabe là, qui a oui. Allô, oui, arabe là, c'est oui, on m'a parlé, oui. Actuellement, la femme Louko, tout ghetto est levé campé, 4 pays à levé campé, c'est Bateneb, femme Louko, bataille là, dans le moment, bataille là, Louko, bataille là, c'est pour la paquet, parce que l'on garde pour nous, le crédit présidentiel. que capable, dans tout quartier populaire, nous n'avons bien vous faire la batte ténèbre. Salguéen, la batte ténèbre, Louko, bataille la carré, quand on détruit le Jovenel Moïse, c'est comme ça, nous allons les camper en face. C'est même nous qui détruisons le Jovenel Moïse, c'est eux qui là, dans tout quartier honnête, c'est ténèbre à battre. Ténèbre à battre, son façon, pour nous dire, nous couper fâchés, avec Kidnapper Sao, avec Assassin Sao. Je dis à l'entendre qu'il sénateur Guy Philippe parler, en pile assassin paniqué, l'entendre Don Kaka, espère figuer nous, je dis à qui prend 6 millions de gouttes, non mais on équipe oligarchie pour assassiner le sénateur Guy Philippe, il dit depuis sénateur qui a été pris le bord de presse, sénateur Guy Philippe a été pris le bord de presse, en mais Don Kaka a assassiné Guy Philippe, c'est pour ça, où est toute ma presse ça. En mais je dis à bataille la carré, bataille la je dis à là, nous-mêmes haïtiens, levez campé dans quatre pays. Bat ténèbres, depuis à midi, c'est ténèbres qui battent. Bat ténèbres, bat ténèbres, bat ténèbres, bat ténèbres, c'est bat ténèbres lié. Bataille la carré, bat ténèbres, bataille la carré, bat ténèbres, bat ténèbres. Merci à vous là, bla, donc merci à vous là, bla. Bon, et c'est arabe là. Équipe là, dans le moment là, qui a battu les donc c'est tout ghetto qui a battu les on a les. Oui, on va finir rapidement. Oui, on va finir pour nous dire, on veut lancer un vibrant appel au directeur général de la police nationale, M. Normil Rameau. Pour nous dire, M. Normil Rameau, il était directeur déjà à la police nationale. Il vient citoyen. Je dis, il vient redirecteur encore, demain, il vient pour venir citoyen. Je ne peux pas dire, mais ouais, que M. Mario Andressol, pardon, Normil Rameau, utiliser la police pour venir craser manifestation avec violence sous prétexte que monsieur yo gagne dans main yo soi-disant état d'urgence. État d'urgence que nèg yo décrété a son stratégie, son manœuvre politique pour population que yo prend en otage qui séquestre en ciel ouvert, pas prendre la rue pour aller revendiquer droit yo par rapport à gouvernement. Mais je dis à lui clair pour nous. État d'urgence n'a pas aucun effet sur l'insécurité. D'ailleurs, c'est pendant l'état d'urgence que le gouvernement, soi-disant, prétendu gouvernement, connaît, il prend un grecier, où est-ce que ça passe pour sonder, où est-ce que ça passe à Kayen, où est-ce que ça passe dans tout le pays. Ça veut dire état d'urgence là, pas porter aucune amélioration. Jusqu'à présent, pas aucun leader, pas aucun membre du gouvernement qui est capable de faire un bilan. C'est vrai, gars, ils connaissent te confondent perspective à bilan pour venir faire bilan 5 mois, 3 mois, 2 mois. Mais nous-mêmes, nous disons, je dis, nous t'arrêtons à ce que la police nationale prend disposition pour garantir sécurité, manifestation 17 octobre là, une façon poussée par la police qui traîne le pays à des bagailles que nous ne pouvons pas souhaiter. Nous voulons pays à prend initiative pour manifester, pour voir un signal par la communauté internationale, le corps groupe, la CARICOM, États-Unis, la France, le Canada, qui vient un projet pour faire ça, une sorte de destruction sous le pays. Nous-mêmes nous disons, chaque citoyen, moment arrivé, pour que nous prenions responsabilité nous, pour nous rapatrier souveraineté pays, rapatrier sécurité pays, pour rétablir l'ordre, acte sécurité, pour petit pays qui vivent la caillou, et aussi prendre à humiliation, à subir violence, la caillou. Rendez-vous à casser, 17 octobre, en bas lumière la lune, nous attendons tout le monde, citron, macha cacao, macha colgatou, et puis pas de courir pour gaz. Si la police décide, pour le faux sel, pour l'empêcher nous sortir dans sa nouvelle, c'est la police qui peut le connaître. Est-ce qu'elle c'est l'ennemi pays ou du moins c'est la police nationale d'Haïti? Si c'est la police nationale d'Haïti, la police a sécurisé nous pour nous manifester, pour nous changer l'état ça, pour nous changer le conseil qui gagne 6 assassins, 5 petits volets, qui ont ramassé bon cathédrale, que tout le monde a un gros plateau pour te faire lobby, alors que mes réquisitoires côté ya poursuivi pour voler et n'attendent tout le monde. Pas d'intimidation, gagne le monde allié. Merci.